Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that, that's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Periton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Periton. L'appel très con de Rire et Chanson. Et les meilleurs appels trop cons à découvrir ou à redécouvrir pendant les vacances et tout au long de l'été. Alors aujourd'hui, on va parler de la taxe foncière. Martin avait tenté une magouille pour esquiver sa taxe, évidemment, chose qu'il ne faut pas faire. Il avait déclaré sa taxe chez quelqu'un d'autre. Écoutez le résultat. Allô ? Bonjour monsieur, c'est bien la boucherie ? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, agence Martin Immobilier. Oui. Vous allez recevoir l'avis de taxe foncière de mon agence, il arrive directement chez vous. Mais pourquoi est-ce que votre avis de taxe foncière arriverait chez nous à la boucherie ? Parce que j'ai déclaré mon agence à votre adresse. Mais pourquoi est-ce que vous avez déclaré votre agence à mon adresse ? Parce que sinon les impôts voulaient que je paye ma taxe foncière. Et alors si je peux éviter, je préfère. Non mais vous foutez de ma gueule, il est hors de question que vous déclariez vos locaux professionnels chez moi. Mais si, parce que j'ai lancé une cagnotte sur internet. Comment ça une cagnotte ? Vous avez fait une cagnotte sur internet pour payer votre taxe foncière ? Non, pour vous rembourser de celle que vous allez payer pour moi. Non, mais attendez. Je ne vais pas prendre votre taxe foncière, monsieur. C'est pas super sympa. C'est pas sympa ? Non, mais vous foutez de ma gueule ? Bah oui. Non, mais vous rendez compte à quel point vous êtes culotté ? Mais moi, monsieur, je la paye, ma taxe foncière. En plus, j'ai déjà fait pas mal d'efforts pour vous. Non, mais pardon ? Vous faites des efforts pour moi, mais vous vous foutez de ma gueule. Vous me taxez avec votre taxe foncière et vous mettez une cagnotte. Non, mais vous rendez compte à quel point. Mais vous êtes tordu. Bah, c'est-à-dire que vous, vous m'aidez en payant ma taxe et moi, je vous aide en montant la cagnotte. Mais vous m'aidez de quoi ? À quelle heure je vais payer la taxe foncière d'une société ? Mais vous avez un problème ? Mais non, il n'y a pas de problème. Non, mais vous êtes hallucinant. Comment on fait alors ? Bah, quand vous recevez le papier, vous vous payez ? Mais bien sûr, je paye, mais vous voulez pas que je vous envoie les photos à poil aussi, non ? Non, mais vous êtes taré, vous. C'est gentil, mais il faudrait déjà régler la taxe. Non, mais vous savez quoi ? Quittez pas. Oui, allô ? Bonjour madame. Non, c'est monsieur. Admettons. Non mais attendez, moi je vous dis la vérité, je vais pas la payer votre taxe. Mais vous vous rendez compte de peu ? Non mais attendez, c'est du n'importe quoi ça. Vous inquiétez pas, il y a la cagnotte, c'est ce que je vous dis. Non, donc... mais c'est pour ça, moi je m'inquiète de rien. Moi je vous dis, les impôts, je vais tout ramouiller. Je vais pas payer des trucs que c'est pas à moi quand même. Vous voyez ça comme une façon de me dépanner ? Ah non, mais moi vous me dépannez pas, au contraire, vous m'emmerdez. Vous vous permettez de prendre mon adresse, faire des fausses déclarations d'impôts, et vous voulez que moi je paye les impôts. Non mais attendez, vous rêvez ou quoi la nuit ? En fin de compte, il faut que ça vous arrange qu'à vous. Les autres, vous vous en foutez, quoi. C'est comme si moi, je vais demander à mon voisin, moi, j'ai pas mis de payer mes impôts, je vais le mettre à ton adresse. Ah oui, alors dans ce cas, donnez-moi l'adresse de votre voisin, comme ça on lui fait payer les deux taxes. Non, mais vous fumez la moquette ou vous faites quoi ? Oh, il y a un moment, il faut avoir les pieds par terre, il faut se réveiller, moment. Vous voulez pas payer des impôts, vous voulez gagner des ronds ? Ben, travaillez au noir, hein. Ouh là là, c'est pas très réglo, ça, dites donc. Mais vous êtes où, vous ? Venez me parler en face. Déjà, si vous avez des couilles, vous venez à la boucherie, vous venez me le dire en face. Ah, dans ce cas, je préférerais vous le dire de dos si ça non, vous dérange. Non, mais déjà, pas. Si tu as une paire de couilles et qu'elles sont bien accrochées, tu viens à la boucherie. Ah bah écoute, si on peut se tutoyer, effectivement, vu qu'on est en business. Oui. Bon, bah écoute, je compte sur toi pour la taxe. Ah non, mais tu comptes sur rien du tout. Tu comptes sur Nîmes. Tu comprends ça ? Est-ce que tu as compris ? Tu comptes sur rien. Non, mais ne serait-ce déjà qu'un petit 50 balles d'avance ? Oui, bah si tu veux, ça c'est 4, 200. Eh bah écoute, super, je te note pour 200. Non, mais attends, mais tu es un rêveur, toi. Mais tu te prends pour qui, oh gaga ? Viens, tu viens me parler et après on discute. Pourquoi tu viens pas ? T'as pas de couilles. Alors ça, je suis pas sûr. Faut que je vérifie. Ah, t'as des petites couilles, elles te rentrent dans le trou du cul. Tu sais quoi ? Tu dois avoir les doigts qui doivent te rentrer dans le trou du cul. Pour avancer dans la vie, il faut les retirer, les doigts. Ah, attends, j'essaye. Retire-les, tes doigts, tu verras, tu vas avancer. Oui, bah 2 secondes, c'est déjà pas facile. Allez, va te faire secouer un peu le poumon, hein, parce que t'as une creux du bulbe. D'accord, mais ça me dit pas comment on fait pour la cagnotte. Mais la cagnotte, je m'en bats les couilles. Tu l'as compris, ça, la cagnotte, hein ? Tu te la carres au cul, ta cagnotte. Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that, that's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Periton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Periton.